Bonjour, je m'appelle Guy Bussière. Je suis enquêteur au Bureau de la sécurité des transports, un organisme qui enquête sur les accidents. Je me spécialise dans les accidents maritimes. Notre objectif est d'établir les causes et les faits des accidents et de trouver des façons d'empêcher que des événements semblables ne se produisent. Chaque année, le Bureau de la sécurité des transports reçoit des centaines d'avis d'accidents maritimes. Mais ce sont ceux qui mettent en cause des bateaux de pêche qui présentent les décès le plus élevé. En fait, la cruelle réalité est qu'en moyenne, au sein de l'industrie de la pêche canadienne, un pêcheur meurt chaque mois. C'est pourquoi, en 2009, le BST a lancé une enquête nationale sur la sécurité des bateaux de pêche au Canada. Notre but était de déterminer pourquoi les mêmes types d'accidents se répétaient et pourquoi la probabilité qu'un pêcheur décède aujourd'hui était la même qu'il y a plusieurs années. Nos enquêteurs ont d'abord parlé à tous les intervenants de l'industrie au pays, aux propriétaires et exploitants de navires, aux associations de pêcheurs, au gouvernement, formateurs, syndicats et par-dessus tout, aux pêcheurs et pêcheuses. Par exemple, quelles étaient les pratiques communes parmi les pêcheurs à Terre-Neuve? Quelles étaient les politiques et méthodes communes parmi les autres membres de l'industrie de la pêche? En quoi étaient-elles différentes de celles à Vancouver ou à Yarmouth ou même à Rimouski? Voilà les questions que nous avons posées dans 10 endroits différents au Canada. Nous avons également examiné les mesures qui ont été prises au fil des ans. Depuis 1992, en fait, le Bureau de la sécurité des transports a mené près de 400 enquêtes distinctes et a formulé au total 42 recommandations distinctes qui soulignent de façon répétée des enjeux de sécurité vitaux qui sont en cause dans les accidents de bateaux de pêche. Le BST convient que la pêche présente des risques. Et les pêcheurs le savent aussi, puisque ce métier se pratique depuis des générations. L'environnement actuel est toutefois plus complexe que jamais. La sécurité ne devrait toutefois pas être un choix. Au BST, nous croyons que la sécurité est un investissement que toute l'industrie de la pêche doit faire. La bonne nouvelle est qu'il est possible de faire plus pour améliorer la sécurité dans l'industrie de la pêche. L'enquête sur les préoccupations de sécurité du BST a relevé 10 enjeux par rapport auxquels des mesures de sécurité doivent être prises pour atteindre cet objectif. 1. Stabilité. Les pêcheurs doivent comprendre les principes de stabilité et les mettre en pratique dans leurs activités de pêche. 2. Gestion des ressources de la pêche. Déterminer et réduire les risques de sécurité devrait faire partie intégrante de la gestion des ressources de la pêche. 3. Engins de sauvetage. Les engins de sauvetage doivent être correctement conçus, embarqués, équipés, utilisés et entretenus en fonction des activités de pêche. 4. Approche réglementaire vis-à-vis de la sécurité. Un cadre réglementaire doit être coordonné et appliqué de façon cohérente. Il doit appuyer une culture de sécurité dans cette industrie. 5. Formation. La formation doit être efficace et elle doit être renforcée par la pratique régulière. 6. Information sur la sécurité. On doit fournir de l'informatique pratique et compréhensible aux membres de l'industrie de la pêche qui en ont besoin. 7. Coûts liés à la sécurité. L'industrie de la pêche doit accepter les coûts liés à la sécurité comme faisant partie intégrante de cette activité. 8. Fatigue. On doit mieux comprendre et gérer les risques que présente la fatigue. 9. Statistiques de l'industrie de la pêche. On doit collecter, analyser et communiquer de façon coordonnée les données relatives aux accidents afin d'aider l'industrie de la pêche. 10. Pratiques de travail. Les pratiques de travail sûres doivent devenir la norme. De plus, nous avons conclu qu'il existe de complexes interrelations entre ces enjeux. Cela peut paraître étrange, mais pour ce qui est des solutions à ces problèmes,
il est inutile d'isoler ces enjeux et de les aborder individuellement. D'autres l'ont essayé et ont échoué. Ces enjeux sont interreliés et les solutions à ceux-ci doivent l'être également. Autrement dit, l'industrie de la pêche au complet doit agir. Une telle solution exige des mesures concertées et coordonnées. Les gouvernements fédéral et provinciaux, de même que les dirigeants de l'industrie de la pêche, doivent collaborer pour établir des organismes de gouvernance régionaux qui auront pour mandat de garantir que les pêcheurs peuvent travailler et travailleront effectivement en toute sécurité. Certaines organisations et initiatives existent déjà dans différentes régions du pays. Pensons à la Fish Safe en Colombie-Britannique, au Comité permanent de la région du Québec sur la sécurité des bateaux de pêche, à la Fishery Safety Association de la Nouvelle-Écosse et à la Fish Harvesters Safety Association qui est en voie d'être créée à Terre-Neuve. Ces efforts de collaboration sont encourageants, non seulement parce qu'ils permettent d'examiner le problème de façon globale et de regrouper toutes les préoccupations, mais aussi parce qu'ils soulignent que la grande priorité doit être que tous les pêcheurs rentrent à la maison en sécurité. FishSafe's biggest accomplishment is the fact that fishermen voluntarily participate in our programs. That includes the Safest Catch Program, the Stability Education Program, and the Safe on the Wheel Program. These programs were all developed and identified by fishermen as a need. They're above and beyond the regulatory compliance, and as a result, fishermen believe these programs really help save lives. The Fishery Safety Association is governed by a board of directors. It's made up of all of our stakeholders, so we have representation from harvesting and from processing and aquaculture, and also some advisory members from government agencies on their board. So this allows us the opportunity to look at the big picture as a team, looking at this big picture and finding out how can we satisfactorily address the needs of all of the industry and work together. Le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche contribue à faire développer une culture de sécurité dans l'industrie de la pêche et d'en faire évoluer la sécurité. On sait que les lois et les règlements sont des outils essentiels normatifs, mais malheureusement, ils ont leurs limites aussi. Donc, l'ensemble de la communauté des pêches doit participer à la démarche de responsabilisation en ce qui a trait à la sécurité. Le comité permet d'identifier et de trouver des solutions ensemble et pour les problèmes de santé et sécurité à bord des bateaux. The Sector Council works with a number of fishermen's associations in Nova Scotia. There's probably on any given day over 60 associations. And one of the things that we're able to do is to provide tools and resources to those associations so they can share them with their membership. 2 years ago, our provincial government of Newfoundland and Labrador announced funding to establish the Newfoundland and Labrador Fish Harvesting Safety Association, which would be an association with a specific mandate around fishing vessel safety. That announcement was in December of 2010, and through 2011, the Professional Fish Harvester Certification Board took a leadership role in bringing together all industry stakeholders, federal and provincial governments, other agencies between the Marine Institute, the university, other stakeholders, fish harvesters themselves, to garner support for moving forward with this concept of a Fish Harvesting Safety Association. We think that by focusing with a primary mandate on fishing vessel safety, where day in and day out, this association can do nothing but deal with the issues around fishing vessel safety, advancing and improving safety culture, working towards reducing the number of accidents and injuries and lost time claims in the industry, reducing the number of fatalities. We think that by establishing a board that's able to do that, we can take safety to a whole new level. En résumé, les 10 préoccupations ciblées dans notre enquête sont interreliées et leur traitement demandera des gestes coordonnés des membres de l'industrie de la pêche. Nous devons travailler ensemble pour modifier la culture de sécurité afin que la principale préoccupation soit l'adoption de méthodes de travail sécuritaires. Les gouvernements fédéral et provinciaux, de même que les dirigeants de l'industrie de la pêche,
doivent collaborer pour établir des structures de gouvernance régionale qui auront pour mandat de garantir que les pêcheurs peuvent travailler et travailleront effectivement en toute sécurité.